Je parle la langue du droit international, madame, et j'en suis fière. Je parle la langue de l'ONU, je parle la langue d'Amnesty International. Ça s'appelle des arguties juridiques par électoralisme. C'est intéressant parce que vous qui soutenez inconditionnellement le gouvernement d'extrême droite israélien de M. Netanyahou... J'ai jamais dit que je soutenais inconditionnellement le moindre gouvernement. Oui. Alors, Monsieur Netanyahou, que vous soutenez dans ce qui est en train de devenir un cimetière à Gaza avec déjà plus de 18 000 personnes. Tellement mal à l'aise. Et je voudrais avoir vous une êtes pensée. Tellement mal à l'aise. Non, un peu du sujet, vous allez me rendre responsable peut-être de ce qui se passe en Israël aussi tant qu'à faire. Non, bah, mais je vous rends responsable de vos positions internationales. C'est pas du terrorisme quand le fondateur du Hamas provoque la mort de Dominique Bernard. Ça s'appelle en droit international des crimes de guerre.